Ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon Let's Play, Hearts of Iron 3 avec le Japon. 1943, la guerre évidemment à la fois contre la Russie, l'Angleterre, les États-Unis, enfin un petit peu tout le monde. Je vais d'abord commencer par faire le point. Ça fait pas mal de temps que j'ai pas tourné d'épisodes, donc il faut que je regarde un peu tout ça. Là, j'étais en train de rentrer. J'avais même l'intention de passer de l'autre côté, mais j'ai vu avant de lancer que j'avais deux cavaleries ici. Donc en fait, ça va suffire pour m'occuper de tout ça. Ils deviennent un peu encombrants, ces gens-là. Donc il faut absolument que je m'en occupe. Alors là, malheureusement, faut qu'on rentre après au port. C'est un peu ennuyeux toute cette bilice là, mais enfin bon. J'ai à peu près réussi à résoudre le problème. Ça touche à sa fin. Là, c'est bon. Bon, là, ça va le faire. Là, il y a toujours le problème de savoir si j'avance ou pas. Là, j'ai l'air d'avoir du ravitaillement, donc je pourrais essayer d'avancer. Je pourrais en tout cas peut-être attaquer à quelques endroits. Là, je suis en train d'y aller. L'armée, je pense que je peux la reculer d'un cran. Je sais pas pourquoi j'ai avancé l'armée. Là, j'ai envie d'attaquer ici. Attaque en soutien. Ouais, ça suffira. Donc là, je me suis avancé. Je sais pas pourquoi. Mais maintenant que c'est fait, je vais continuer. À la rigueur, je pourrais attaquer ici. Ouais, c'est parti. Attaque en soutien. Pour l'instant, j'avance pas trop par ici. Là, pareil. Là, je suis en train de ramener un peu de troupes, donc je vais peut-être avancer. Quand j'aurai ramené mes trois divisions, là, j'essaierai peut-être d'avancer par là. Je suis en train de ramener une division pour l'Europe. Je sais pas trop où elle est. Putain, là, il y a du monde, par contre. Ouais, c'est en cours. Je sais pas trop où elle est, ma division qui descend. Elle est là. Là, je sais pas pourquoi j'ai pas de ravitaillement, ça me paraît étrange. Ouais, là, par contre, c'est normal. Hein, j'ai... Ah bah non. Tricomalé. Tricomalé. Est-ce que je l'ai fait? Ouais, je l'ai fait. Je sais pas pourquoi il marche pas. Je viens peut-être de le faire. Je vais attendre qu'une journée soit écoulée. D'abord, je vais lancer le temps. Alors, ça, c'est bon. Ça c'est déjà gagné, ça m'étonne. Ils doivent avoir... Je pense qu'ils ont les mêmes problèmes de ravitaillement que moi. Là, je suis parti sur beaucoup de... Malheureusement, beaucoup de renforts, de modernisation. Puisque c'est tout ce qui est infanterie qui est en train d'être modernisé. Là, j'ai eu quelques soucis, a priori. Enfin bon, on va essayer de gérer ça. J'ai quand même envie d'attaquer par exemple. Ah, alors, j'étais en train. Non, ça c'est réglé. Je vais voir une petite attaque ici, mais c'est juste pour les faire fuir, c'est pas pour prendre la province en elle-même, je m'en fous. Ouais, ils ont vraiment pas. Ils sont pas très résistants ici. Hein. Ok, donc là j'arrive pour résoudre ça, y a pas de soucis. Okay. Je vais surtout pas y aller, hein. Faut pas que je fasse la jonction. Je vais faire la même chose ici. Ça va peut-être être un peu plus dur. Non. Ah là, ça va m'énerver parce qu'il va y avoir plein de messages sans arrêt. Et... Bon, ça malheureusement, j'y peux rien puisque... Oh, ça c'est une très bonne nouvelle. Est-ce que mon transporteur est déjà là? Il me semble que oui. Ouais. Un corps entier prêt comme ça qui sort le même jour. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Il va falloir que je libère peut-être quelques troupes. Ouais, j'en ai plus assez. D'ailleurs, pourquoi j'ai deux garnisons ici au même endroit? Alors, des troupes qui sont un petit peu battues, j'en ai là.
Tiens, un 5 là. Et la garnison, par exemple, celle-là. Aucun leader, voilà. Normalement, là, j'ai ce qu'il me faut. Un 5 pour le corps. Ah, il va m'en manquer, hein, quand même. Ouais. J'avais fait de l'artillerie. Je crois me rappeler pourquoi c'est. Il faut que j'aille voir vite fait. Lui, finalement, toute la cavalerie elle commence à s'être battue énormément, donc elle a beaucoup d'expérience, forcément. Ça, je vais le mettre un peu plus par là. Et donc, ça, c'est un niveau 4, ce qui est plutôt bien. J'embarque. Je prends pas d'escorte. Ouais, si, allez, c'est bon, on ne sait jamais. Je vais le débarquer ici, je pense, dans cette zone. C'est là que j'en ai le plus besoin. Alors, doucement. Ok, donc là, c'est bon. Là, faut que je fasse gaffe. Hein. Le but, c'est vraiment pas d'y aller. Là, c'est réglé. Là, c'est fait. Là, ça devrait le faire aussi. Et là, il va falloir que j'attende. Ok, donc là après je vais faire tout de suite demi-tour parce qu'il y a du boulot à. Dans cette révolte là, il y a du monde. Ça a pris de l'ampleur. Putain, là c'est risqué. Hein. Ah, c'est pas bon du tout. Je risque de devoir faire demi-tour tout simplement. C'est un peu ma crainte en ce moment. J'ai peur qu'il cède, pour être honnête. Et que je sois obligé de reculer. Hein. Ça serait quand même dommage. Tout serait à refaire. Ouais, ce serait plus que dommage. Ce serait un peu la fin de la guerre, peut-être. Bon, on verra. Pour l'instant, on n'en est pas là, mais. Alors, ce que j'avais envie de faire aussi, c'était. J'étais dessus justement avant de lancer la partie, c'était d'influencer l'Albanie. Normalement, ils devraient nous rejoindre, j'espère. Alors, c'est une toute petite nation, évidemment. Mais étant donné que j'ai beaucoup de technologie, de leadership qui ne me sert pas à grand-chose, il faut bien le dire. Mais étant donné que je suis déjà en avance sur les sciences de quasiment un an, en fait. Alors déjà, je vais faire des officiers. Ah, je voulais faire aussi un point sur le ravitaillement. Je vais remettre en automatique. Ah, je suis déjà en automatique. Ah, je reçois déjà tout ce que je peux là, donc. Bon, ok. Donc, il n'y a rien à faire. Ouais, là, je suis sûr qu'il recule. Hein. Je sens qu'on va très vite être obligé de reculer, moi. Bon. Là, ça a l'air d'aller. On va réussir à stabiliser les choses. Ok, donc ça, je vais le remettre ici, par exemple, en redéploiement stratégique. Ça c'est gagné. De toute façon, j'ai pas de ravitaillement, c'est ça qui est bien. Pourquoi je. Oh merde, j'ai déjà plus d'organisation là, je risque de me prendre une contre-attaque. Je pensais pas que ça irait aussi vite en fait. Merde. On va voir ce qu'il va faire, mais c'est pas dit qu'il contre-attaque parce qu'il a pas forcément grand-chose dans les parages non plus, mais du coup ça m'inquiète un peu. Bon, là c'est parti. Pour l'instant, hein, tant que je vois pas les Hongrois, c'est ça, vraiment reculer, je continue, mais j'avoue que c'est pas une situation idéale. Tiens, là c'est parti.
Pas de commerce avec l'Australie parce que je risque de me faire intercepter les convois. C'est pas la peine. Bon, ici je pense que ça va plutôt bien se passer, mais il faut que je surveille parce que tout à l'heure, donc oh là, ouais, ça c'est pas bon, hein, j'en étais sûr. Il recule. Alors là, on est comment? 29h. Je crois qu'il faut que je vire ça. Ouais, ce que je vais faire, celle-là va s'arrêter là, et celle-là, elle va aller là. Alors j'ai envie d'attaquer quand même à quelques endroits. Je vais essayer de les occuper entre guillemets. Attaque en soutien. Bon, là j'espère que je vais vite regagner mon organisation. Là ça va. Il y a juste la. Ils attaquent où là? Putain, ils attaquent là, je parie. Ouais, je suis obligé d'arrêter d'attaquer. De toute façon, je vais me replier, c'est pareil. Hein. J'ai pas. Ouais. J'ai pas d'organisation en plus. Je vais me replier ici. Donc là, je vais arrêter d'attaquer pour l'instant. Donc là, c'est vraiment pour les occuper. Je pourrais faire pareil à d'autres endroits. Hein. Ici, par exemple. Ouais, là, c'est une attaque sur quatre fronts, mais en pleine montagne, il me semble, donc c'est peut-être un peu chaud. Mais le but, c'est vraiment de leur faire mal. Ouais, Bobrov est déjà retombé. Pour l'instant, je vais rester là. Je crois que j'étais obligé de me replier. Hein. Ça... Ma flotte arrive, mais elle sera pas là à temps. On n'est qu'en Inde. Et encore celle-là, elle a pris beaucoup de retard. Alors, là j'aurais besoin. Non, ça c'est bon, je peux y aller. Là, je sais pas pourquoi, j'ai pas de ravitaillement depuis un certain temps. Ça commence à m'énerver. Sérieusement. Bon, là ça va le faire. Ici. Alors, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je recommence à faire un peu de ravitaillement d'ailleurs, parce que bah, du coup, je vais plus produire grand-chose, c'est sûr. Mais le problème c'est que je préfère ne pas descendre trop bas non plus. Donc ça j'embarque. Physique nucléaire et fuséologie, j'ai dit que je faisais pas ça. C'est une erreur, ouais. Ça sert à rien. Bon, c'est des sciences qui coûtent pas cher a priori. Enfin déjà elles ont beaucoup de retard, mais ouais c'est des sciences de niveau 1 donc elles m'ont pas coûté très cher. Mais c'est étonnant. Oh merde, c'est quoi ça? Ah bah là c'est pas grave puisque de toute façon j'étais en train de me replier donc elle sera très vite revenue chez elle. Donc là ça va pas trop passer, je vais arrêter. L'appareil. C'était juste histoire d'eux, et là. Non, la dernière bataille elle est là. Alors là j'ai mes chances. Alors ensuite. Alors ça je. La Lettonie, non, tout ça ça vient par navire. Non, l'énergie j'en ai plein donc je vais pas aller en chercher ailleurs. Ok, là je vais attaquer peut-être ici. Ici. Partout où je l'encercle, je pense que je lui fais très mal. Tiens, ici. Ici. Donc là, on est bien sur le repli. Alors, dans quelle mesure, je sais pas. Est-ce que c'est vraiment un gros problème ou
Là, par contre, c'est pas bon. Alors, j'ai vu par contre qu'il avait beaucoup. Ouais, il a eu beaucoup de problèmes d'invasion. Donc, là, c'est réglé a priori. Donc, tout le monde, on voit toutes les flèches vertes là, elles sont toutes en train de revenir sur le front. Alors, il y a encore là où il y a des Allemands carrément. Donc, ça, c'est un peu plus ennuyeux. Mais en tout cas, je pense qu'il y a pas mal de problèmes qui ont été résolus. Alors, je vais bombarder ici. Et peut-être que les troupes revenant sur le front, on va réussir à inverser le mouvement. J'espère en tout cas. Alors là, j'ai déjà gagné. Là, j'ai gagné. J'y vais pas, hein, parce qu'il faut absolument pas que je prenne ces provinces. Là, ça va. Il n'y a pas eu le résultat de la bataille, c'est étrange. Non, peu importe, mais parfois c'est ça se passe comme ça. Tiens, la Roumanie. Le carburant, je m'en fous, honnêtement. Ah, la modernisation est en train de s'achever. Enfin, quelques points sont en train de s'achever. Mais pour ce qui est de l'infanterie, ça m'étonnerait que ce soit fini. Hein. Ah si, il y en a qui finissent là. Ah ben, c'est cool ça. D'abord, ça va nous faire une infanterie plus moderne et en plus, ça va m'économiser. Tiens, là, c'est bon. Là, je vais plutôt aller par là. Ah, il n'y a pas de ravita... y a pas de. Il n'y a pas d'infrastructure ici, sérieux. J'ai encore des provinces sans infrastructure. Ça m'énerve. Hein. C'est vrai que j'en ai pas fait partout. Bah là c'est pareil, il n'y en a pas partout. S'il y a des révoltes ici, c'est fini, je pourrais jamais les récupérer. Ah non, là c'était pas nécessaire. Là c'est bon. Bon. Je vais pas en faire partout, mais... Parce que ça va coûter cher, et l'industrie c'est pas ce qui... Ce que j'ai le plus en ce moment. Alors les Philippines... j'ai un transporteur ici. Ah, c'est parce que j'ai dit transporter au lieu de faire ordre de déplacement, sans doute. J'ai l'impression que tout le monde est revenu à sa place, donc je vais pouvoir retourner, reprendre mes îles. Ordre de déplacement. Tiens, je vais faire ordre de déplacement partout. Je vais tous les mettre au même endroit. Ok. Ah, ça c'est chiant. Saint-Georges, oh, ça c'est les Russes qui sont repartis peut-être d'ici ou d'ici là. J'ai bien envie de leur rendre une petite visite comme d'habitude, de reprendre les ports. Au moins de façon provisoire. Alors là, je crois que je vais attaquer. Il n'y a pas d'unité ici. C'est normal ça. Il faudrait que je me décale. Et celle-là, je vais la renvoyer plutôt ici. Il y a un petit décalage là, j'avoue. Renfort, j'en ai besoin. Ravitaillement, j'ai vraiment plus beaucoup de production industrielle. Alors là, problème. Pourtant, tout est à distance, hein, mais bon. C'est comme ça. Ok, ça c'est cool, on va commencer à leur courir après. Alors, il n'y a plus grand monde là, je les ai virés et j'ai pas l'impression qu'ils aient envie de revenir. Ah, je trouve que voilà, on retrouve pas mal d'unités, peut-être qu'on va pouvoir stabiliser les choses. Et peut-être que pour moi ce sera l'occasion de prendre la ville d'ailleurs, que j'ai loupée la dernière fois. Ce serait peut-être. Oh oui, il n'y a pas grand monde en face. Non seulement il n'y a pas grand monde, mais elles sont pas à 100% de. Je sais pas comment on dit, d'efficacité. Enfin, l'organisation est faible. Ah, là c'est parti. Attention, faut pas que je fasse une connerie et que je prenne les provinces sans le faire exprès.
Ce serait déplorable. Il faut que je garde séparé pour l'instant. Ce que j'ai envie, par contre, c'est de rejoindre ces deux zones-là. Ouais. Ces deux-là, peut-être que je les rejoindrai. Celle-là, c'est hors de question parce que... Un port de niveau 10, je pense pas que ce soit suffisant. Mais là, j'ai un port de niveau 10 ici. Et j'en ai un ici. Donc, deux zones séparées, ce serait bien. Celui-là, il est de quelle taille maintenant? Je pense qu'il doit commencer à être pas mal. Ouais, il est bientôt 10 aussi. Je sais pas. Je sais pas comment faire, j'avoue. Alors, où en sont mes navires, là? Ah, ils arrivent. Ça, ça va faire du bien. Je vais pouvoir monter direct en haut, là. Un petit truc. Mariupol, ouais. Batumi. Ah putain, je produis plus rien. C'est une catastrophe. Je vais faire un peu plus de diplomates parce que je suis limite. Et je vais faire beaucoup plus d'officiers. Il faut absolument que je remonte au 140. Le plus rapidement possible. Alors, c'est parti. Je vais pas tarder à arrêter la vidéo. Je vois que là, c'est la sauvegarde automatique. Et je sauve, enfin, je préfère faire des épisodes courts parce que la partie avançant, évidemment, ça devient de plus en plus problématique pour moi. Il y a beaucoup de plantage. Franchement, celle-là, je vais la détacher. Et celle-là, je vais la détacher. Voilà, comme ça. Ça, je vais la rattacher au corps le plus proche. Ça me paraît plus logique. Voilà, ça sera... Parce que sinon, je commence à avoir des problèmes d'organisation aussi. Il faut que je fasse gaffe à ça. Donc là, je vais tout de suite commencer à bombarder la ville. Et on va peut-être essayer de prendre Voronel. Alors lui, par contre, il sert à rien ici. Il était là pour escorter, mais du coup, il est venu en avance. Donc franchement, il sert pas à grand-chose. Et puis, il n'y a plus trop de navires dans les parages, de toute façon. Alors, je sais pas s'il va remettre des troupes, là je les ai tous virés, mais... Toutes virées. Du coup, je sais pas s'il va en ramener. Ok, donc ça c'est bien. Je trouve que les troupes allemandes, quand vraiment on les combat comme ça, là, il y en a qui sont pas terribles. Ils ravitaillent pas tout. Il doit faire un choix. Alors, ça... Enfin, j'arrive là. Franchement, ça aurait été bien long. Ok. Bon, là, le chiffre est trompeur. Je pense que le moins 10 ne veut pas dire grand-chose. Ok, là, ça va être bon. Ici, on est reparti comme au bon vieux temps. Et il y a du boulot, hein. Il m'a repris quelques îles. Ouais, c'est parti. Je pense que j'ai du ravitaillement sur AnywayTok. Petite vérification. Toc, toc, toc. AnywayTok. Pourquoi je ne l'ai pas? Je l'ai peut-être supprimé. Vite fait, avant d'arrêter la vidéo. Ceci dit, ça me paraît bizarre que je l'ai supprimé comme ça, mais... je vais revérifier tout à l'heure parce que là... là pour l'instant je vous laisse. Je vous donne rendez-vous demain bien sûr pour la suite de ce let's play.